Voici les 70 pays à faible revenu selon le FMI. Le problème, c'est que la moitié de ces pays sont très endettés, voire surendettés, et qu'ils n'arrivent plus à rembourser leurs dettes. Vers qui se tournent-ils pour demander de l'aide? Le Club de Paris. C'est un groupe informel au rayonnement international. Il réunit 22 États créanciers qui ont prêté de l'argent à des pays, notamment pour faciliter leur développement. On parle ici d'argent public, de prêts d'État à État. Les créanciers du Club de Paris ont donc un double rôle. 1. Assurer les capacités du pays emprunteur à honorer ses dettes. 2. Vérifier que le contribuable du pays prêteur sera bien remboursé. Le but, trouver des solutions coordonnées et durables aux crises de dette. Oui, mais comment ? Afin d'identifier en amont les pays en difficulté, les membres du club se réunissent tous les mois autour du directeur général du Trésor. Le club agit selon 6 principes clés, en particulier le principe de conditionnalité, c'est-à-dire qu'aucune intervention du club n'est possible sans un soutien financier du FMI et les réformes associées, ce qu'on appelle un programme FMI. La comparabilité de traitement est aussi un des principes fondateurs. Elle garantit que les créanciers non membres du club, publics comme privés, fourniront un effort au moins aussi important que celui du club. On compte 4 autres principes. Le principe de solidarité, le principe de consensus, de partage de l'information et de prise de décision au cas par cas. Depuis 1956 et la création du Club de Paris, 500 accords de restructuration de dettes avec plus d'une centaine de pays ont été conclus pour un montant supérieur à 600 milliards de dollars. La plupart du temps, pour sortir un État de l'impasse financière, sa dette est soit annulée, soit rééchelonnée. C'est-à-dire que les créanciers allongent la période de remboursement initiale, parfois en réduisant le taux d'intérêt. Comment le Club de Paris a-t-il évolué au fil du temps ? Depuis une vingtaine d'années, les pays ont eu davantage recours à l'endettement privé et aux pays émergents, en particulier la Chine, pour se financer. Le Club de Paris s'est donc ouvert à de nouveaux créanciers membres du G20, comme le Brésil et la Corée du Sud, membres depuis 2016. La Chine, qui est le créancier majeur des pays du continent africain, a un statut de membre associé. C'est aussi le cas pour l'Inde. Dans une autre vidéo, on vous parlera également de la création du cadre commun, un nouveau mode de coordination décidé avec le G20.